Allez, salut à tous et bienvenue pour cette suite du Let's Play de Torchlight 2. Alors, j'étais en train de vérifier parce que forcément, comme toujours, je suis à l'heure. Je m'habitue à être à l'heure. Hein. 22h12. Oh non, pas ça, j'ai pas enlevé mon retour, ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas bien. Vire-moi le retour. C'est un truc à faire planter le jeu, ça. Au pire, on leur rend un petit doublon. Peut-être. Peut-être pas. Et comme tout le temps, ces derniers jours, bah, il fait super chaud. Donc, bah, forcément, je vais continuer à fondre. Alors que je me rappelle vite fait, 7 et 8 pour mon loup-garou. 6 le météore, 5 c'est la gargouille, je crois 4 c'est le fracassage. Ok, 1 et 2 pour les popos, on était passé en méga popo. Alors donc on était au... Je sais même plus comment ça s'appelle, village de la veuve, des veuves. Alors j'avais bien entamé. Oh, on avait laissé du pognon, c'est bien, tu peux revenir une semaine après. Le jeu garde tes loot, quoi. Ça, je trouve ça sympa. Non, mais. Galère pas, mon petit bonhomme. Nom d'un fion. Il veut prendre des chemins que je ne voulais point emprunter. Alors, nous, on voulait aller par là. Ouais, on avait fini Rex Bolutura, un truc comme ça, il me semble. J'ai pas le nom exact. C'est de mémoire. Et là on peut pas y aller. Non mais tiens, justement on se fait agresser par des champis. Comment il m'a contourné le petit salaud? Alors par contre la quête c'était quoi? Chercher usine de ferraille. Ah oui, tout à fait. Et on a le niveau requis parce qu'on est 39. Et là c'est du 37-39 donc on va monter 40-41 à la fin de celui-ci je pense. On fond. En passant, j'en ai profité pour remettre un point sur le Drac. Faut que je sois 42 pour pouvoir lui mettre le dernier point pour passer sur le tier 1. On commencera à avoir un Wizard OP. Qu'est-ce que tu fais, le son? J'ai mal le son aujourd'hui. Me refais pas comme les cinématiques de la semaine dernière de l'acte 3. On a raté à cause de ce bug. Go buy a scroll from Salan to go there. Ah non, hein, crache pas le jeu. Ça c'est de ma faute, t'as toujours tout touché en attendant. Voilà. Ah oui. Je voulais regarder mon inventaire parce que bah, j'ai pas fait les sacs avant de partir. Ça c'est plutôt ballot. Donc je vais faire ça maintenant. Et au pire, je vais l'envoyer direct. Eh ben j'ai pas posé le Greater Soul. Ça c'était sympa. Ça va mettre de côté ça. Faire comme ça. Parce que franchement avec deux belles gemmes de dégâts électriques ça peut le faire. Hein. On a quoi? On a toujours le bâton. Donc on a glace poison. On va le vendre. Ça qu'est-ce que c'était? Je suis pas fan. Je suis pas fan. Ça c'était gant du bois sauvage. Ouais, c'est un peu cutuche. Pas mon délire. Ouh, ça c'est sympa par contre. Le 17 de focus, il me paraît bien. En plus, sur l'ensemble, 10 heures de sort. Par contre, j'aimais bien le style. Bon, le 600 de dex, on s'en fout. On a du dégât de feu, on a de l'armure de glace. Allez, moi je serais partant pour le mettre. Alors, je vais le mettre de côté 2 secondes. Ça, on va le revendre. Alors 2 secondes ce qu'on a ici.
Je sais même pas si on peut enchanter le stuff du pet. J'avoue que c'est une bonne question que je me pose. Alors ça, qu'est-ce que c'était? C'était une armure. Une armure, qu'est-ce que je dis comme connerie? Un bijou. Ah mais même pas, ce serait une gemme. Eh ouais. C'est assez sympa ça. On va le mettre de côté. Voilà, donc toi je vais t'envoyer. Quoique non. Je vais d'abord regarder ce que je voulais voir là. Si je mets ça, est-ce que je vais gagner? C'est les épaulettes. 1126, 1157. Quoi qu'il n'y a pas les gemmes en dégâts. C'est un peu ça le problème. Bon, j'aurais pu envoyer le pet si j'avais su. Restons maintenant. Ah non, mais je suis carrément pas gagnant. Ah, mais en plus, j'ai mis là une mauvaise, la deuxième. Même avec les gemmes, je suis pas gagnant. Ça me paraît bizarre. Je gagne en armure et vitalité. Maintenant, je gagne en dégâts. Je perds en tout. C'est marrant ça, alors qu'il y a 14 de focus. Mince, non, c'est celle-là que je veux porter, moi. Hop, faudrait que je le dégemme. Et je veux tester ça. Ah, mais c'est pareil, ça me fait perdre. Mais genre balèze, quoi. C'est ouf, ça. Comment cela est-il possible? Il y a un plus 6 de focus. Ça peut pas être la gemme, quand même. Ça me paraît super bizarre. Bon, je vais garder pour l'instant. Toi, va en ville. Reviens tout à l'heure. Je vais appeler mes amis. La voix pourrie. Ah, c'est vrai. Pourquoi ce portail? Portail. Pourquoi c'est là? Mais attendez. Ah oui, mais j'étais déjà venu ici en fait. J'étais venu à l'entrée. Et ici les bois des veuves en fait. Là, il me semble. Ou j'étais venu juste ici. Ah non, par contre le jeu ne lag pas sans raison. On va pas s'entendre. Pognon. Pognon, pognon. Alors, il faut que je charge un peu ma barre. Faites le ménage, les amis. Avant qu'on se fait agresser par des champignons. Ça, c'est de la popo. Et où est-ce qu'ils sont partis, mes amis? Voilà, moi, je suis un ouf. Non mais ils sont déjà repartis les deux. Et on a eu un petit succès en passant. On va attendre le drac hein, parce qu'il fout tout le temps la merde. Voilà, ils sont partis se taper. De toute façon on peut pas passer par là, donc en fait ceux qui ont la bonne route. Des petits lutins. Allez, on y croit. Défoncez-moi ces racailles. Oh, une clé dorée. Ah, notre jeune ami est rentré. Mais ramasse-la cette clé. Une pioche, qu'est-ce que tu veux que je foute avec une pioche, mon ami? Non, c'est quoi ce bordel? Je les ai montés, j'ai l'impression qu'ils durent pas longtemps, hein, mes amis, les pets.
Voilà, juste histoire de foutre bien le bordel. Quoi cette nuée? Sorcière. Des bottes non identifiées. Oh là, sorcière, qu'est-ce que tu me... Voilà, c'était ça que je voulais. À la popo. Là, il y a une quête ici. Je vous laisse faire, les gars. Ok, il porte un médaillon autour du cou, donc c'est quelqu'un à retrouver. Par contre, je suis un peu coincé. Merci de me laisser passer, s'il vous plaît. Voilà, c'est gentil. L'efficacité de notre ami Wizard se fait ressentir. Putain, mais par contre, j'ai l'impression que mes ads là ils ont pas long feu. Toujours aussi classe les invoques, par contre. Hein. Y a pas à dire. Alors attends, tiens, on me dit que la quête c'est ici. C'est quoi ces conneries? Ah, mais c'est là en fait, faut rentrer dedans. Dans la crypte pourrie. Mais c'est trop moisi. Alors, donc en demandant de la quête ici. Allez, barrez-vous. Non, mais vous êtes partis, ou? Putain, mais les mecs, et tout pour la tape. Les mecs, ils réfléchissent pas, ils viennent pour la tape. Y'a plus rien d'autre qui compte. Non, mais c'est bien, ils pensent à me défendre. Voilà, je peux pas leur en vouloir. C'est vrai que les mecs sont quand même payés pour ça. Voilà, moi je casse tout. Ah, mais ils sont sans pitié, ils foutent le bordel. Qui tu es, toi? Ok, on a envoyé un super anneau. Toi, si tu peux bien te calmer. Ouais, quoi ça sert, ça, l'hôtel? En remplacement, peut-être qu'il faut aller lui chercher quelque chose, j'imagine. Je pense que ça va être ça, le truc. Allez, calmez-vous bien. Ah, ça va, on fait du dégât. Et donc ouais, c'est ça, il faut lui ramener, je crois. Ah non, c'est pas à moi de sacrifier des gemmes. Peut-être ça. Ah, ma barre de dégâts, elle est pas full. Pas trop. Non, viens là, toi. Ah, mais c'est quoi ces vieux verres, là? Bon, je casse tout. Moi, je fais pas de chichi, je pète. Et j'envoie du feu tabasse. Allez! Non, peut-être pas aller, on va mourir comme ça. Allez pas. Oh! Écorché, laisse-moi tranquille. On va écorcher quelqu'un d'autre. Putain, c'est quoi ces sales races? Ouais, le loup il nous a lâché. Ah bah le drac il me lâche à ce moment là. Oh, calme-toi bien. Alors je me demande s'il faut sacrifier donc les gemmes, nos gemmes propres, je me rappelle plus, mais je crois pas. Il me semble pas que c'était comme ça. Ok, il y a des trucs, allons voir. Là c'est de la dobe. Là c'est du pognon. Ah, mais il y a des mecs encore
Venez là, les gars. Non, mais faites pas le tour. Putain, mais ce drac. Il est juste toujours aussi violent. Comment on fait? Trouvez le médaillon dans la crypte, gna gna gna, cherchez gna gna pour obtenir une source d'énergie. Mais c'est quoi l'intérêt? Dégâts électriques réduits de 6% pour avoir un plus 13. Mais c'est juste de la connerie élémentale. Bah j'en sais rien moi, mais une gemme. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Prendre une gemme pourrie comme ça, voilà. On veut pas? Non. C'est pas ça. Ok, il faut les gemmes sanguines. Bon, bah on va essayer de trouver où c'est, hein. Trouvons les gemmes sanguines. Anxunamun. Allez, je vous aide parce que vraiment je vous aime bien. Sinon c'est mort. La prochaine fois, personne qui vous aide. Il faudrait que je regarde, j'ai eu des nouvelles armes, mais j'ai rien eu de transcendant hein, depuis le début. Un petit moment que j'ai pas changé d'arme. Pas trop ce que c'est ça. Ça a l'air très labyrinthique cet endroit. Scroll d'identif. Ça se prend toujours. Allez, on avance. Pas le temps de traîner. Mais lui, il me jette des bombes là. Des bombes spectrales. Ouh, il y a du monde. Ouh, il y a un boss. Alors, je sens que je vais me faire aggro. Voilà. En fait, j'ai perdu mes deux amis. Pouah, 5K. Juste monstrueux là ce que j'ai mis avec ce coup. 5004, un truc comme ça. Moi je dis ça c'est du crit. Mais dégage, pliez ou pas je vous défonce vos gueules. Allez! Ouh, il y a un boss. Mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Bam! Il s'est fait os aussi, lui. Mais genre, le vieux planqué. Ah. Niveau 40. Oh, un écorché peut en cacher un autre. Alors je voulais juste vite fait aller voir récupérer le pognon. Ouais, ils ont pas compris en fait que je rigolais pas. Je suis venu ici pour tout défoncer. Mais stop, me jeter tes trucs, toi, oh. Petite saloperie. Allez, descendez, les amis, par un carnage.
qu'est-ce que tu te caches dans mon dos, toi, Caro Coste? Quand il essaie de me défoncer. C'est quoi, c'est moi ou ITP cette saloperie? Ah, mais j'ai plus mes ZAD et il y en a deux. Ça, c'est super dangereux, laissez-moi passer. Voilà, on va faire ça. On va essayer de regagner en dégâts, on se débarrasser des vieux slimes. Et on descend. On retourne au contact. Débarrasser des vieux ZAD pourris là parce qu'ils m'énervent. On voit rien avec eux. Un kilt de prêtre. Ah non, de pierre, pardon. Je ne sais plus lire. Bah, ils sont arrivés pour mourir. Viens là, toi, allez. Meurs. Voilà. Du pognon. Ah, déjà là, il y a une étoile. Donc, il doit y avoir quelque chose ici. Waouh, ah oui, il y a plein de pognon. Piège à con, sûrement. Bam, voilà. Mais les gars, vous faites pas le poids. Même solo, je vous shoot. Les ZAD, c'est pour me donner un genre. Pour pas combattre en fait quand j'ai la flemme. Chier lui avec son bouclier. Et l'autre là-haut là qui m'attaque en traître. Archer de mes couilles. Qu'est-ce qu'il me veut? Mais calme bien vorace. Voilà, on vous entend plus. Ensuite on entend moins vos grandes gueules. Allez, donc maintenant je pense que pour le deuxième il va falloir aller de l'autre côté. J'arrête pas de ramasser toutes les dômes. Mais non. Ah, j'ai plus de place. Alors ça m'embête un peu. Plus de place, plus de place. Eh ben, on va renvoyer notre ami en ville. Pas grave. Oh, du pognon. Ça ira faire les courses comme ça. On va se remettre full vie. On a 3100 de vie quand même, c'est pas mal. Ça grimpe. Je vais aller voir vite fait par là au cas où. Voilà, je savais qu'il resterait des mecs. Ouais, tu vois, je t'avais pas vu dans le dos. Hein. Sérieusement, t'as cru que je dormais? Toi aussi. Cache derrière. Ah, mais c'est vrai que je peux plus rien prendre. Alors, déjà, on va se mettre les points. Je vais mettre un dex. Tac, un comme ça. Il me semble que c'est bon, voilà. Hop. Jetez-moi ce bordel. Non. Non. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ça, qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est à tester.
Un grand bâton de glace. Il y a du dégât de feu, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ça, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air d'être une baguette. Ouais. Alors. Ah, il manque le focus sur ça pour que ce soit intéressant. Oh, une nouvelle gêne. Iron Amber, qu'est-ce que ça donne? 18 au dégâts à distance. Ouais, mais je pense pas que ce soit spécialement pour moi. Et ça, c'est des bottes d'exorciste. Qu'est-ce qu'on avait comme casque? Un anti-sort de sort. Ah, c'est pas terrible, hein. Il n'y a que de la régène mana dans le coin. Je suis pas fan. Ouais, j'aurais pu garder, je le sais. Ça, je vais le tège, hein, vu que ça a l'air moins bon, j'en sais rien. Pup, 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 pup. Merde, je l'ai renvoyé. Bon, tant pis. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir son truc pour lui jeter les conneries. C'est quoi cette daubasse? Mais ça me divise. Je perds 400 là. Aucun intérêt. On comprendrait jamais rien à ces dégâts par seconde en sachant qu'il tape à 0,82 et l'autre à 1,32. J'arrive pas trop à comprendre ce système. On se croirait dans Starbound. Bon, je peux rappeler mes amis. Double invoque. Bon, j'imagine ça fait le tour. Voilà, donc on a tout nettoyé. Bon, on va filer sur l'autre aile. Les musiques sont discrètes mais assez sympas quand même. Voilà, on va déjà en déposer une. Alors essayons d'aller de l'autre côté. J'imagine que ça doit être par là-bas la suite. Voilà. C'est bon les gars, vous êtes cramés, vous faites genre de dormir et après, hop, vous attaquez. Piège. Oh, oh, ma vie, elle se vide. Une porte. Ah, notre jeune ami est revenu. Attends, mais ils sont déjà partis, eux. Non, mais j'ai à peine pu traverser. Quoi, ces conneries? Des chauves-souris. Et des souris chauves. Allez, mais je regarde la vie du pet moi pour me régénérer. Ouais, moi je tape pas aux portes, je voulais la défoncer la porte. Je trouvais ça plus logique. Il est caché où ce mob là? Ouais, je vous laisse vous amuser avec. Si vous le trouvez, il est à vous. Il y a de la porte partout. Bordel, ce labyrinthe. Arrêtez de manger mon pet. Un waypoint portal, je prends. Et je fais de l'invoque. Un voscon, comme dirait Betters. Et ouais, parce qu'on n'est jamais trop aidé dans la vie.
Alors profitons-en. C'est quoi cette saloperie là? Ça me fait pomper la vie. Oh, c'est quoi, mais j'ai l'impression que ça te pompe la vie à mort. Bonne saloperie encore. Ouais, je sais, on casse pas chez les gens. C'est pas bien. C'est vrai que c'est plus simple de le faire chez les autres. Un coin de pêche prometteur. Oh, il y a deux coffres. Il va y avoir un mimique dans l'histoire. Il me veut, lui. Sérieusement. Allez, on va pêcher. Pêchons. Raté. Ah si, on a attrapé quelque chose, j'ai même pas le temps de le dire. Un poisson volant. Pêche sans. Oh la grosse prise. Un Hans Winter Widora. Non mais même plus on peut pêcher tranquille quoi. On se fait agresser. Moi perso je remonte à votre place. Déranger un pêcheur qui est tranquille dans son coin. Non. Ça c'est trop vous demander. Eh mince, trop tôt. Il m'a double feinté. Non mais ils sont surexcités les mecs en bas. Raté. Allez, on a le droit encore à deux tentatives de pêche. Après, je vais leur défoncer la gueule là parce qu'ils me dérangent pendant ma pêche. Et franchement, ça c'est un truc qui se fait pas. Même si je n'aime point la pêche, est-ce que je veux emmerder les pêcheurs moi? Non. Oh mais je vais vous défoncer votre gueule, vous. Vous me dérangez là. Ah mais ils comprennent pas qu'ils me dérangent. Oh, c'était la dernière pêche. Un broc de pierre. Comment qu'on descend que je les fume? M'en occupe personnellement, même pas d'ad, rien. Alors les quatre là, les clowns, voilà. Calmez-vous bien les merdeux. Pognon. Pognon. À moi le pognon. Pognon. Voilà, sérieux, tu viens, tu dis ouais, je vais pêcher tranquillou. Eh ben non. Mec, il vient te faire chier. C'est juste scandaleux. Bon, en tout cas, c'était pas la bonne route. Mais il y avait une autre porte quelque part par là. Je me rappelle de ça. Ça doit être là. Bah alors, ouvre ça. Ah, mais il faut appuyer sur porte, hein. Con. Nether épaulette, ça a l'air bien ça. Je suis sûr que c'est pour moi. Comment il était caché dans l'urne, mais comment il rentre dedans? Même en morceaux, il rentre pas dedans normalement. Bon, bah y a rien ici en fait, hein. Je me suis fait bien entuber. Alors ça doit être plus en bas.
Non, c'est par là, je pense. Rien vaut ce qu'ont nos amis. Bon, le loup-garou, normalement, il a pris l'autre chemin. Non, mais il faut me laisser passer, cocotte. Les mecs, ils défoncent tout le monde. Même pas, ils m'en gardent. Ah, mais c'est les empêcheurs de pêcher. Scandaleux d'empêcher un pêcheur de pêcher. Ah, donc ça doit être dans le coin. Moi, je dis c'est dans le coin. C'est un peu le bordel. Et je précise bien un peu. Allez, mais meurs, il fout nous la paix. Pognon. Alors, où est-ce qu'elle est la gemme? Maintenant, je voulais pas prendre la pioche. Putain, mais ce truc là, il y a des dots posés à certains endroits. C'est relou ça. Ils sont à travers les murs, j'ai l'impression. Très space ce truc. Faites gaffe, les mecs, ils se planquent dans les urnes. Même pas, ils respectent les morts. Bon, où est-ce qu'elle est cette deuxième gemme? Les slimes, ils s'appellent gel toxique. C'était un piège derrière la porte, il y avait du monde. Ah non, en fait, il y avait. C'était moi le piège. C'est ce qu'ils n'avaient point compris. Des savates. On a toujours besoin de savates. Je tire sur les prisons en l'air. Ça va vachement servir. Non, mais il y a trop de portes là dans le coin. C'est quoi ce délire? Et il y a trop de portes dans le jeu. Mais dégage. Oh putain. Allez, juste calme bien ta joie, mon gars. Potion, pognon. Rien vaut ce qu'on. Et en plus, y a rien ici. Ah mais si, y a un levier. À quoi sert le levier? Bon, déjà il y avait une autre porte. Allons voir ça. Peut-être qu'il faut les deux leviers pour ouvrir la porte là à droite. Peut-être ça le principe, voilà, ça doit être ça. Voilà, ça ouvre ici. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et là, il y a un coffre possédé. Donc il faut buter tout le monde. Donc en fait, ça c'est peut-être un bonus. Ah non, il y a la gemme derrière. Ok. Donc nous sommes sur la bonne voie. Et il y a du monde. Ah non, mais là, il y a trop de bordel. Genre, juste calmez-vous bien. C'est marrant parce que certains endroits où il y a du monde, ça lag un peu. C'est léger donc ça va encore. Et à d'autres où il y aura peut-être plus de monde,
en tout cas autant, et ben ça la grappa d'un pouce. Oh, c'est un coffre doré en plus, nous avions la clé. Mais on a eu que de la merde. Voilà, tu prends les gemmes, ça ramasse ça, ça réveille des merdes. Ouais, ça réveille même les boss. Critique-moi sa face. Cette fanfreluche. Où il se barre? Mais c'est quoi ce boss? Oh, le mob. Mais il se barre. Je crois pas. Te casse pas, reviens là. Ah, ça y est, quand il va mourir, il vient se mettre un péchon. Mais c'était quoi cette tapette? Eh mince, on n'a plus de place. Alors c'est le moment de faire le ménage. Pions déjà ce qu'on peut pas porter. Non. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça c'est de la baguette. Pas favorable. Ça non, ça non, ça non. Ah, la vieille pioche moisie. Ça j'en ai déjà une. Ça non, ça non. Ah, j'en avais même deux de pioches. Comme quoi je ramasse vraiment des dopes. Fusil d'arc, non. Ah ça, dites-moi que c'est un bâton. Ah non, c'est une guisarme. C'est une sorte de lance. C'est une arme d'as. En plus elle fait pas mal de dégâts. 443-580 quoi. Tiens, je veux dire, tu te mets ça, t'es bien. Tiens, que je me barre, est-ce qu'on peut le porter? Parce qu'elle est pas bloquée. Ah ouais, non, tu deviens ridicule d'un coup. Donc ouais, t'es obligé d'avoir un truc magique. Je voulais voir, j'avais pas encore porté d'armes, disons non magiques. Ça, j'en ai deux. Ça, pour l'instant... Ça, j'ai dit que c'était de la dope. Voilà, allez, va vendre. Pipipipim, c'est de la dope pour moi. En tout cas, pour ce perso, c'est pas ce qui est le mieux. Alors, bah, on a bientôt défoncé la première partie. Je vais au moins appeler le loup-garou par sécurité. Allez, un sarcophage. Je meurs de chaud. Il va venir en petit glaçon. Mais il est en train de se taper lui, qu'est-ce qu'il me fait? Viens, on se casse. Viens, loup-garou. On va aller poser la gemme. Et on va aller voir quelle est la suite du programme dans ce donjon. Sachant qu'on n'a pas encore récupéré le médaillon. Mais il est encore parti se taper. Ouais, je sais, j'ai laissé du pognon. C'est pas bien. Ça, ça se ramasse. Alors. Non, pas encore. J'ai ouvert un truc en dessous. Ah mais tu le rends pas la quête quoi. Putain, t'es un petit enfoiré. Alors, comment on descend? Alors là. Ok, niveau inférieur. On est dans quoi déjà là? Dans... une usine. Et de me rappeler un peu. Ah ouais, je suis un peu seul en plus, moi je suis un malade. Même si je risque pas grand chose sur des petites... Je me suis tapé déjà des grosses vagues quand j'attendais en bas. Enfin, quand je descendais.
dans un donjon, donc faut mieux faire gaffe des fois. Ouais, voilà, il y avait des gens qui m'attendaient quand même. Les mecs, ils étaient pas venus pour rigoler. Allez, niveau 41. On va s'écarter de là. Le bordel. Il y a trop de monde à mon goût. Un revolver, on prend. Ah, il y a un seigneur spectre 40 et il est orange lui. Il a pas l'air d'être du genre à rigoler. Ah, mais c'est pas son quartier à lui. Ah ouais, le mec il a 233k de vie. Ça doit être un boss. Et en plus il y a les dots. Il est où notre ami? Pas là. Allez, il est bientôt mort. Je sais pas ce qu'il m'a envoyé, mais il m'a fait mal. Allez. Putain, mais vas-y. Il doit y avoir un coffre quelque part. J'espère qu'il y a quelques loot à prendre. Pognon. Deux pièces d'or, c'est deux pièces d'or. Oh, les vieux sous-fifres. Qu'est-ce qu'ils veulent, les mecs? Ils sont là pour la déco, les mecs. Merde, je voulais lire son nom. Je suis pas sûr, j'ai cru lire un enfileur blindé. Allez, corps du père, tiens le voilà. On va récupérer le médaillon. Voilà, ça la quête elle est bonne. Pognon, un sceptre. Et là il y a un portail vers la surface. Attends, il n'y a pas notre truc Mila là, c'est quoi ça? Mais c'est elle Mila. Ah, on peut lui glisser des potions, non mais c'est bon. Quête le médaillon, mais on a fait. Attends que je redescende pas, ça, que je me fasse pas entuber. Parce que ça m'étonne, ça a l'air d'être à côté. Bon, remontons, on verra. Au pire, tant pis pour moi. Faudra que je refasse. Alors, au moins je traverse. Mais bon, au moins là on aura une petite. Allez, on est à peu près à 50 minutes de jeu. Ça aura été pas trop mal. C'est un peu. On aura disons une vidéo sur un donjon complet. Je pense que c'est un let's play avec pas mal d'action. On n'a pas le temps de s'ennuyer donc c'est pas mal ça. Je pense que quand j'aurai retourné à Torchlight et me fait commencer en tout cas un peu d'après, je passerai sur un autre hack and slash. Ah ouais, c'était elle qui rendait le pognon. On va mettre les points. Je vais te mettre à 60, toi 2 et 2. Alors donc on est bien, il faut aller vers le sud. C'est quoi ce bruit? Il y a des drôles de bruit, j'entends taper. Ah, on est quoi, nous? On est niveau 42. Ah non, on est 41. J'ai dit de la merde. Il y a un coin de pêche secret, tiens. S'il vous plaît, dégagez. M'emmerdez pas. Je voudrais pêcher tranquillement, s'il vous plaît. Ah, le mec il s'est TP pour essayer d'envoyer mes pets de l'autre côté et après servir et revenir sur moi. Moi je pêche, hein, tapez les gars. Mince, voilà avec vos conneries.
Une calotte feuilletée. Une popo. Alors. Pognon. Oh. Je peux pas dire, mais il a ramené encore plus que dans le coffre, lui. Ça, c'est du bon coffre. Alors, est-ce que ça rejoint? Est-ce qu'il y a moyen de rejoindre? On dirait que oui. Waouh, il y a des loups-garous qui ça. Le bois du faiseur de. Donc en gros, tu rentres ici, t'es marié. Voilà, t'es mort. Ta femme, elle reste seule au monde. Oh, les vieux fantômes. Donc forcément, comme j'allais dire, une cave puante. On se croirait vraiment dans Diablo quand on voit ça. Une vieille cave puante. Qu'allons-nous trouver dedans? Là 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 là. Je sais pas, mais on peut y trouver la mort, on dirait. Il y a du boss ou il y a du lourd. Faire gaffe à ma gueule. En plus, là, les endroits de fuite sont un peu limités. Oh, wow. Genre, calmez-vous bien. Il y a un mec sans tête, là. Qu'est-ce qu'il me veut? Il est en train de s'exciter sur mon pet, lui, oh. Genre meurs bien. Ah merde, il est pas avec moi, le loup-garou. Oups. Je croyais que c'était le mien. En même temps, ça aurait dû me paraître bizarre. Parce qu'à partir du moment où ils étaient disparates. Mais c'est. Wouah, comment je me suis fait tout shot! Ouais, ça me fait un peu chier de perdre là. Allez, tant pis, on va aller en ville. Je vais en profiter pour vendre. Peut-être récupérer les deux gemmes, je ne sais pas. Et au pire, comme ça, on fera peut-être une petite coupure dans le coin. Le temps que je puisse boire un peu. J'avoue que c'est un peu la mort avec la chaleur. Alors, l'enchanteur, c'est lui. Je voulais enchanter quoi, moi, ça? Qu'est-ce qu'on a eu? Régénère 4 points de mana seconde, 3 vitesses de sort. C'est pas mal, ça. Sauf que c'est pas daubé du cul. Ça, sincèrement, ça marchera pas. Quoique, je perdais pas beaucoup avec ça. 6 de vitalité, ouais, c'est pas mal. C'est débile ce que je vais faire, mais pour gagner du temps. Ah, c'est une masse. Dommage parce qu'elle était sympa. Non. J'ai l'impression que plus j'avance et j'ai pas forcément des meilleurs items. Pas la course au loot du loot, hein. Qu'est-ce qu'on a? 16 index. C'est sympa, mais c'est pas pour moi. Même si ça avait l'air d'avoir de la gueule.
Ça, j'avais dit que c'était pas pour moi. Ça, il faut que je teste. Ah, mais je peux pas, faut forcément que je sois dehors. Mais c'est dégueulasse, dites-moi. Alors, regardons ça. Ah non, mais je perds presque 100 points d'attaque, pas de dégâts. Je suis même perdant en vitalité pour dire. C'est quand même super bizarre. Ouais, j'arrive pas à le comprendre ce truc. Ça. Ça, je perdais moins 1132. Par contre, je gagne 25 d'armure. 12-25 en armure. Là, je gagne 6 en vitalité. Mais je perds en dégâts. Super bizarre quand même ce truc. C'est quoi lui? Transmuteur. Toujours pas essayé ce que c'était ça. Et le truc c'est que j'ai pas gardé d'objet. Tiens, mais eux ils ont pas des choses intéressantes au cas où. Genre un bâton là qui déchire, qui roxe du poney. Ça, c'est censé être bien normalement. Ouais, j'achète, je sais pas combien ça coûte, mais voilà. Ah, mais ce qu'il y a dans le familier, je peux le vendre direct. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Alors, par contre, je sais pas si j'ai. Mais j'ai vu une petite chose intéressante il y a pas longtemps. Ça, ça a l'air sympa aussi. Je vais acheter les deux peut-être et je verrai. J'ai déjà testé à blanc. Voilà, tant pis si ça me coûte du pognon, mais. Ah non, mais je suis grave perdant. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, je perds moins. Ah, mais il faut que je récupère mes gemmes pour essayer. J'ai plus d'électrique. Où est-ce que c'est les gemmeurs? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là quelque part. Et eux. Alors détruit des noms. Celui-là qu'il me faut. Voilà. Donc. Testons ça. Ah, là je gagne un peu. Et en plus je gagne en dégâts critiques forcément. Ça c'est plutôt pas mal. Bon, même si j'ai pas gagné beaucoup, j'ai gagné quoi? 15 de dégâts. Mais ça se prend. Même censé être un niveau 49 et la mienne c'était un 36 quand même. Que c'est lequel que j'avais moi. Pif, ouais c'est ça. Bon bah c'est pas trop grave, on met à jour. Et en plus c'est un dégât électrique. Et il faudrait que je l'enchante. Plus ça n'est point enchanté. Alors, où est-ce que c'est déjà l'enchante? Elle est là. Qu'est-ce qu'on a? Bon, à part la vitesse de sort, on n'a plus eu de chance. Peut-être le truc du désenchante, c'est essayer d'avoir mieux, quoi. Tu fais ça quand t'as plein de pognon ou une arme qui t'intéresse. Tiens, je veux tester un truc. Comment on fait? Ah, en fait, c'est pour combiner des gemmes. Je sais pas comment ça marche. Allez, je fais le test, soyons fous. Je crois qu'on a tout perdu. En fait, faut la recette.
Ouais, il faut trois mêmes en fait, je crois que c'est ça. Ouais, faudrait que je teste un de ces quatre alors. Ouais, je crois que c'est ça, il y a des recettes à suivre. Bon, c'est pas grave, c'était pour les lire. Mais bon, ça m'a permis de capter un peu plus. Alors, elle, j'ai revendu, donc c'est bon. Là, c'est levé. Le PVP, on s'en bat la race. Et je suis con en plus. Ah, ben non, c'est parce que je suis mort, c'est vrai. J'allais dire, sinon, j'aurais dû mettre un portail. Allez, on va faire une petite pause ici. 2 minutes et je reviens.